détesteur de jeux pas cool, aujourd'hui je suis ici pour vous commenter un match de hockey suisse contre la Suède. Et comme vous savez, je suis suisse, donc j'ai pris la Suisse. Le match commence. Ah, un tir qui veut ses doigts. Cette vidéo a été dure à vous la faire parce que je l'ai faite une fois, ça a bugué trop, la deuxième fois aussi. Et puis maintenant c'est la troisième tentative. Un tir suisse. Une contre-attaque. Ah non, un body check. Christian, ce sera pour plus. Plus qui tire. Non, c'est pas. Et c'est pour le gardien. Mise en jeu. Gagné par les Suisses. Presque tir. Non. C'est une pénalité. 2 minutes. Et pour Marcus. Le Suédois. Oui. Il a fait une obstruction. Mise en jeu. Gagné par les Suisses encore. Kress qui devra faire une passe à Rizzi. Rizzi qui la récupère. Ah non, c'était hors de. Au revoir en arrêt du gardien. Mise en jeu encore gagné par les Suisses. Von Arx. Pour Gisberg. Kress qui tire, non. Contré par la défense. Pour Von Arx qui a tenté, mais on voit un body check. Okay, non, ça aurait pu être une contre-attaque suisse très dangereuse. Encore une mise en jeu. Ah, gagné par les Suisses, en but, non, ok. Alors, contré par le gardien, Forster, Von Arx. Mais bah non. Nous sommes sur la chaîne 08, je vous le rappelle, mais je vous ai pas dit, en but. Ah non, ça sera pris par un Suédois, une contre-attaque, à moins que, non, c'est Von Arx qui l'a en premier, Gerber. Ah, Gerber a plus. Plus à Christian, hors jeu. Ambul qui est un très bon joueur. Kress, mise en vue gagnée par le Suisse. Kress, qui tire, non, ça sera encore pour le dernier Suédois. Pour l'instant, une sacrée domination suisse. Ah, en arrêt du gardien suédois. Mise en jeu. Gagné par les Suisses. Presse à Von Arx. Von Arx à Rizzi. Rizzi hors jeu. Encore une mise en jeu. Gagné par les Suisses. Presse à Herberlein. Herberlein. Non, c'était mal joué. Et contre par les Suédois, une contre-attaque. Kress, body check. Et Crazy, la dégage. Un dégagement interdit. On va revoir un coup de crosse par les Suédois. Ça sera une mise en jeu. Ça peut être dangereux, les Suédois. Et ça peut être dangereux. Non, c'est la défense suisse qui la récupère. On bulle à Forster. Forster à 3, on bulle plus. Non. Von Arx va décliquer. Forster, c'est comme derrière. Derrière, Ambul. Ambul, non, il a essayé de tirer, mais il s'est raté plus. Il tire, non, c'est contré par la défense. Gerber à Forster, à Von Arx, plus Christian. Ambul. En but, non, il a mal passé, c'est toujours le gardien qui la repasse. Nous allons revoir un tir suisse, le spectateur suédois. C'est la 13e minute, 48 secondes.
Ah non, c'est pas mal. J'ai eu des Suisses. Oh là là, les Suédois, ils reviennent en contre-attaque, non. Ils peuvent faire des contre-attaques, les Suédois. Ah non, c'est mal joué. Prison. Non, il est hors-jeu. Nous allons voir un coup de crosse des Suisses. C'est la 15e minute. Attention, presse. Alors, il a décidé de faire une passe, une mauvaise passe par le celui-là, body check. Qui peut le ramener. Voilà, Order Line. Ça sera pour Fun Arcs. Fun Arcs qui continue. Oh non, il a raté, c'était mal joué. Et les Suédois ont contre-attaque. Ils tirent, non. C'est pour Kepler qui l'a repris, c'est Arborline. Arborline qui donne à Gugisberg. Ah, les Suédois sont tout seuls. Ah non, ils ont pris un sandwich. Ah, maintenant ils sont 2 contre 1. Mais les Suisses repoussent. Bon axe. Ah, c'est fini, premier tiers temps. 0 but, une domination suisse. 11 chutes pour les Suisses et 2 pour les Suédois. C'est une sacrée domination suisse. La mise de jeu gagnée par les Suisses, attention. Bon, il décide de faire une passe. Non, c'est pas lui, ski, un truc comme ça. Le gardien suédois, quoi. Très dur à prononcer. Plus qui va faire la mise en jeu à Forster. Forster, ce sera pour plus. Qui va essayer de tirer. Disons le gardien qui est dessus. Le gardien qui fait un énorme match pour le moment. Bon Arts, non, il va body check, non. Oh, une contre-attaque suisse, peut-être en bulle. L'affaire n'est pas officielle, mais un peu tardif. Plus à Forster. Forster à Christian. Christian va faire un bulle, mais c'est mal joué. On va revoir le tir suisse. Von Arts qui va faire une mise en jeu. Ah, cette fois, gagné par les Suédois. Céline. Herberlein qui la reprend. Il va peut-être faire une passe, non. C'est mal joué. Line qui essaie de la reprendre, mais le Sinas Lund qui l'a. Une pénalité pour les Suédois. Enfin, un power play pour les Suédois. C'est Peter Gisberg qui va sortir pour 2 minutes. Pour avoir. Il me semble obstrué. On va faire une obstruction. Ce sera Di Pietro qui va faire la mise en jeu. Ah non, c'est gagné par Suédois. Ils essaient de la récupérer. Les Suisses, au moins ils lancent. C'est Di Pietro qui la dégage. Ah non, c'était pas Di Pietro. C'était Yeni, il me semble. Yeni qui l'a. Non, c'était en jeu. Martin Gerber. Qu'on voit ici. D'excellentes statistiques pour ce match pour le moment. C'est lui. Non, 9 à faire un double check, non. Ce sera toujours 9. Shooter, non. On peut plus séparer le dernier Suédois. Attention, Forster. Forster. Céline, Céline. Céline. Ah non, ça sera pour Kerber. Shooter. Shooter tout seul. Enfin, un défenseur. Non, ça sera pour le gardien. Car pendant ce match, il fait un excellent match. Pietro toujours. Ah non. On prend encore cette fin du gardien. Ouais, 10 minutes déjà.
ce sera pour Bibi Spear qui la passe. Ah non, ce sera dégagement interdit. Ouais, c'est dégagement interdit. Donc ça sera une mise en jeu du côté suisse. Là. Je marque ce qu'il va la faire. Enfin, c'est le 6 qui gagne pour Kress, pour Bibisberg. Bibisberg qui tire pour Kressy, enfin qui passe pour Kressy qui tire. Une contre-attaque suédoise, attention, non, ça c'est fini. Mais c'est mal joué des Suédois, Bibisberg qui la relance, il essaie pour Kressy. Kressy... Ah non, il a décidé de jouer seul. On va du check de Di Pietro. Ah, Forster. Forster toujours. Plus, non. C'est... Ça devient n'importe quoi. Ah, ça sera un peu plus pour les Suisses. L'interférence de Peter. Forster. Ouais, il vient. Sans raison, il le pousse. 2 minutes. L'entraîneur suédois qui parle à l'arbitre. Ça sera mis en jeu de côté suédois. Ah, c'est le 6 qui gagne. Forster, Forster. Ah non, Christian. Non, plus. Il la tourne en... Le gardien suédois il était encore. Ça sera encore une mise en jeu. Von Arx qui va la faire. Von Arx a plus de Kress. Kress, toujours. Non. Les supporters suédois. Pour l'instant 0-0. Plus d'occasions suisses. Kress. Oh, Bibisberg. Non. Excellente statistique aussi pour le gardien suédois. Une mise en jeu gagnée par les Suédois. Voilà. Ce sera pour Von Arx qui l'intercepte pour Ombul. Ombul a plus. Plus qui va la mettre à Ombul. Non. Forster qui va essayer de la profondeur. Arx pour Ombul. Ombul a plus. Plus qui va la mettre à Ombul. A même pas. C'est la 17e minute. Attention, ce sera gagné par les 6, la mise en jeu. C'est du enfin, cafouillage, on va dire. Gerber, il la reprend pour Von Arx. Von Arx, Bibisberg, ça va jouer vite en contre-attaque. Bibisberg, non. Ce sera récupéré par les Suédois. Il la reprend, Bibisberg. Arrivé. Arrivé, super mal. À tirer à côté. Ah, c'est fini. Toujours 0-0, peut-être. Hein. Un but à la... au troisième tiers-temps. Je pense sûrement qu'il y en aura un. 27 chutes pour les Suisses et 3 pour les Suédois, ce qui veut dire qu'ils en ont fait qu'un seul pendant ce deuxième tiers-temps. Une excellence des Suisses qui domine vraiment bon hein, Forster. Plus, ah non, on veut. On montre Gerber à l'écran. Ça sera un jeu. Gagné par les Suisses. Kress. Berlin. Non. On veut. Non, gagné par les Suédois, la mise en jeu. Ah, il faut en encore pas, Kress. Kress, hors jeu. Il a fait toucher l'arbitre en body check suisse. Ils vont mettre la 3ème ligne, suisse. Gagné par le 6, Bézina. La 3ème ligne qu'on n'a pas souvent vue. Il est trop. Non. Même pas un dégagement interdit, puis c'était les Suédois qui l'a, les, qui l'a remettre là-bas, en body check. Vezina, Yeni. Ah, non.
ce serait pour le garder encore. Le dernier Sudok, qui a fait une grande performance du premier tiers-temps jusqu'à maintenant. Toujours 0 but encaissé pour les deux. Ils ont vu gagner par les Soudan, ils ont battu chaque Suisse. Ils la reprennent les Soudan, Nasmung. Ah non, un but, jamais un Fenars, un plus qui tire, non. Fenars, non, il a plus. Cédine, un body check. Non, il a déjà fait la passe à Soudan. Il la dégage, un dégagement interdit. La ligne 2 contre la ligne 4. La ligne de Suisse contre la ligne 4 suédoise. Une mise en jeu. Ce sera pour presse. Fenars. Fenars. La main arrivée. Qui a tenté sa force, mais toujours une performance du gardien. Ce sera la ligne 4 qui va jouer comme la ligne 4. Et c'est comme les Suédois. Toujours 0-0. Et on rappelle à la 5ème minute. Shooter. Il va shooter. Ah non! Oh, là, on permet de tirer, non, c'est toujours pas un goal. Attention, ça sera une mise en jeu. Et gagné par les Suisses, Forster. Il s'est retiré, non, il a fait une passe, Shooter, qui veut essayer de retirer. Fenars, non, il n'a pas eu. Ce sera pour Martin Kerpel. Fenars, un F. Non, s'il a raté. Il avait intercepté un body check. Non, ça sera hors jeu déjà. Bon. Henrik Lundqvist. Je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, il fait une grosse performance la 8ème minute du 3ème tiers-temps. Borderline, après. Oh, Fenars. Il veut faire Fenars. Borderline, ah, il a même mal à Forster. Forster, le docteur. Très sérieux. Fenars. Fenars qui peut la remettre à l'éducation. Enfin, qui peut la mettre. Mais bah non, c'est pas toujours le gardien suédois qu'il a. Les supporters suédois. Qu'on voit plus parce qu'ils sont à domicile. Sweden. Ah, c'est du pire truc là, Bézina. Bézina. Non. Ce sera. Yumi qui va l'avoir. Qui l'a eu. Arizal. Non. Toujours le gardien suédois. La première ligne, je raconte la première ligne. Le moment 0-0. Kofken qui va. Non, il ne fait même pas le body check. Ça ne sert à rien. Il m'a récupéré, il a fait une passe à Cousine. Non. C'est vrai qu'ils sont dangereux dans ce. Dans le bon, pour ça. À plus. Plus qui va la mettre à. Non, il l'a tiré. J'espère qu'il va la mettre à quelqu'un. On va voir les statistiques de Martin Germer qui réussit aussi ce match. Autant que le Suédois, mais le Suédois a fait plus plus avoir d'occasion pour le montrer. Et attention, c'est le Suisse qui va nous répondre avec cette mise en jeu d'année. Fenars, ben c'est tout, non. Fenars. Non, c'est Céline qui l'a, mais Fenars doit essayer de Nasmung. Non. Gerber qui l'a. Gerber a du dispert. Ça va se jouer. Donc 4 minutes, c'est fini. 0-0. Peut-être les tirs au but. Les prolongations d'abord. Céline, attention. Gerberline. Rizzi. Fenars. Fenars. Attention. Et non. Sudin, et go! C'est le ciel qui tombe sur la tête de Suisse.
stress, c'est la dernière minute, ils ont eu moins d'occasions et ils réussissent quand même à se démarquer à la fin. Et c'est là quelle compétence ils ont réussi. Je pense qu'ils vont gagner le match. À la 18e minute 42, c'est un peu fini pour les Suisses. Ils mettent la meilleure ligne, les Suisses. Forster. On essaie d'égaliser, non, il la remet. Ah non, c'était mal joué pour les Suédois. Ah. La 19e minute, une dernière. Ah non, oh non. Les Suisses ne perdent pas espoir, même si on sait très bien que ça va être dur pour eux de gagner. En bulle, on y croit quand même, ils y croient quand même. En bulle qui tire, on le gardien suédois qui fait une grosse compétence. C'est les meilleures lignes suédoises contre les meilleures lignes suisses. 13, qu'on va aller croire, le numéro 19. Ce sera une maison de jeu suisse. Attention, Fanart qui tire. Putain, Martin Fuski, et l'assistance passe au Fanart. Et oui, ils égalisent. Ces dernières minutes, c'était chaud, même très chaud. Ils vont jouer les prolongations et puis même peut-être essayer de gagner. C'est la 19e minute et 17 secondes du troisième carton. Ils ne sont qu'à tenir, ou bien ils essaient encore en bulle, qui essaie tout seul. Attention, non, il n'a pas une pénalité. Ça sera Juan Mustudi qui va sortir pour 2 minutes pour avoir fait une interférence. Bandicheco est quelqu'un qui n'avait pas le palais ou le POC comme vous voulez. L'entraîneur qui fonctionnait, qui parlait à l'arbitre. 19-29. Attention, on bulle. Van Arx. Christian qui va essayer. Ah non, Van Arx, il la tire. Non. Ça sera récupéré par le gardien suédois qui fait une énorme compétence à part cette prise. Un seul goal et Martin Kerber aussi s'est pris un seul goal. Forster. Et tiens, non. Ah, c'était dommage. Ah, elle pouvait y être si ce numéro 10 l'avait touché un tout petit peu. Attention, c'est pour les Suédois. Ce sera dur pour les Suédois de se démarquer. Il faut essayer de gagner, puisque les Suisses se donnent même pour gagner. Attention, c'est bien que fini. Un dégagement interdit, il ne reste plus qu'une seconde, juste à faire sa mise en jeu, et puis c'est bon. Enfin, hors jeu plutôt, pas le dégagement interdit. Et c'est fini. Il va se jouer en prolongation. Ça va être stressant. 42 foot pour les Suisses, 6 foot pour les Suédois, 3 foot en plus. Ces 3 foot, ils en ont marqué un seul. Nous sommes à Stockholm dans le Globe Arena. Ça fera 3 contre 4. Les Suisses sont 4 et puis les Suédois 3. Non. Les Suisses peuvent essayer quand même. Ça sera les prolongations. Ils peuvent espérer et gagner sur ces prolongations. Presque qui se démarque tout seul. Ah non, j'ai été mal joué. Ça sera récupération suédoise. Un dégagement interdit. Non. Attention. Plus. Est-ce qu'il peut la mettre à Christian? Non, il l'a pas. Il l'a vu personnellement. Plus Christian, non. La Berline. Non. Attention, Christian, qui essaie. Non, ce sera pour plus qui va essayer. Non, il devra faire une passe à Christian. Non, c'est dommage. C'est mal joué. C'est très mal joué. De leur part. Et ça sera bientôt fini. La prolongation place au tir but. Avec ces quelques minutes qui restent, je ne pense pas qu'ils vont marquer de grand nombre de buts, mais en but, les Suisses peuvent espérer marquer un but, mais les Suédois, ça va être dur pour eux. Ils devront peut-être se rattraper au tir au but. Ah, Forster, toujours Forster. Ah, il arrête de la mettre à plus. Ah non,
Das war George Johnson, qui va sortir pour Arthur Ferros, qui est une bonne check. La personne, monsieur sans raison. Maintenant, monsieur Dax, il montre un peu agressif. Monsieur 104, monsieur Dax 3, monsieur Dax dégage mon micro. C'est bon, c'est le tir au penalty, le tir au but, comme vous voulez. Ça sera. On va savoir qui a encore foot pour 6 foot, ils en ont fait 0, les c'est d'accord pour ses prolongations, ça sera Christian Ambul plus Régis de Gisbert qui vont le faire, j'ai pas pu voir de l'autre côté, attention, c'est bon, c'est Gerber qui l'a. Maintenant ça sera Christian qui va la fouter, ah il se trompe de direction, attention il va la prendre, oh, il attend, il shoot, c'est à peu près Samuelson. Non, ah oui, lui, il est de Samuelson. Un but, qui va tirer là, finalement. Donc ça sera 2-1 pour les. Je sais pas pour le moment, si on peut tirer au but. Attention, il va la mettre. Non, c'est pas très bien. Mais ça va être dur pour plus, et il y a tout qui repose sur lui, plus, ah il l'a raté, c'est les Suédois qui ont gagné, et oui, ils ont gagné les Suédois ont gagné, les Suisses ont tout donné pourtant, et puis les 20, on va espérer que les Suédois n'ont pas gagné, et bon.